Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique culture. Aujourd'hui, nous recevons Delphine Hochmann pour son livre Perles de culture. Bonjour Annabelle. Alors Delphine, je suis désolée parce qu'en fait on t'a déjà fait venir la semaine dernière. On s'était bien installé dans un petit box et tout ça, on était bien confort, mais il y avait tellement de vent que c'était complètement inaudible. Donc je vous retrouverai après pour la suite de la chronique, mais là on s'est dit qu'on serait mieux au chaud. Alors aujourd'hui on va pas parler de cancer, mais j'avais quand même envie de t'inviter, ben déjà parce que tu habites dans le coin, je trouve bien de s'entraider puisque c'est aussi le thème de cette émission, mais on va quand même parler d'un combat pour la vie. Alors raconte-nous en quelques mots, qu'est-ce que tu as dit dans ce journal de bord ? C'est un livre qui parle de mon parcours en procréation médicalement assistée, puisque j'ai dû me faire aider par la médecine pour avoir mon premier enfant, ça m'a pris 4 ans, et je me suis retrouvée bien seule au milieu de tout ce combat. Seule au milieu de cette tempête où on a des milliards de questions, où on se retrouve abandonné par l'équipe médicale. En fait, tu as l'impression qu'au niveau médical, il y a un suivi, et un suivi qui est même plutôt bon en France, d'après ce que tu dis dans ton livre, mais que psychiquement, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a rien. Il n'y a rien, d'autant que c'est un parcours où il est très rare que ça marche du premier coup. Il ne faut pas se leurrer. On passe par tout un protocole hyper réglé et c'est très rare qu'on tombe enceinte à la première insémination ou la première stimulation. Donc moi je suis allée jusqu'aux fécondations in vitro, on cumule quatre. On cumule les échecs et à chaque échec on est seul. Et on est de plus en plus seul parce que personne ne nous explique, on nous passe d'un protocole à un autre sans nous dire pourquoi. Et finalement, c'est le brouillard. On est dans une tempête émotionnelle monstrueuse et on est dans le brouillard psychologique. Personne ne répond à nos questions. C'est un sujet tabou, donc on n'en parle pas autour donc de nous. Donc, t'en parles même pas dans ta famille, t'en parles même pas. La famille sait qu'on est dans un protocole, mais ils ne posent pas de questions non plus. Ils sont à des kilomètres de savoir ce qu'on traverse. Donc on est tout seul, on est toutes seules. Et du coup, toi, tu as trouvé du réconfort, alors pas dans les réseaux sociaux, parce qu'il n'existait pas, enfin, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, mais sur des forums. Oui. Tu as trouvé l'énergie qu'il te fallait pour te battre. D'autres femmes dans les mêmes histoires que nous, que moi. C'était un forum au départ sur l'insémination, que j'ai trouvé par hasard, bien entendu sur internet. On va chercher toutes les infos. Insémination, clac-clac, et là, c'est le miracle, quoi. Je me retrouve au milieu de dizaines de femmes sur ce forum-là, il y en avait d'autres. Mais celui-là m'a attirée pour une raison inconnue. Et là, tu te dis, je ne suis pas seule, du coup. Oui. Je ne suis pas seule, et du coup... Ouais. Donc, comment ça se passe? Tu communiques, tu échanges par mail, vous vous appelez. Dans ton bouquin, on voit même à des moments que... Tes copines d'internet attendent le jour J pour savoir si t'es enceinte. Elle, et tu te dis c'est un truc de dingue. C'est elle qui attend, personne d'autre en fait, à part mon mec. Mais c'est elle qui savait tout, au détail près, à l'heure près, à la minute près. Et effectivement, on communique par le forum et puis on s'attache à quelques personnes en particulier. Ouais, et puis on commence à communiquer autrement par la bande. Et puis finalement, on s'est rencontrés plusieurs années de suite, on s'est vus avec nos bébés respectifs. Oui, donc ça c'est génial, c'est une entraide. C'est quelque chose d'important. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit chez Hope, en fait, le lien, le fait de s'entraider, de parler des mêmes choses, du même vécu. Donc voilà, donc en fait, ce bouquin, tu l'as écrit pour t'aider toi ou pour aider d'autres femmes? Les deux. Ouais. Mais c'est une façon de sortir tout ce parcours hyper difficile de l'accoucher, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. De l'accoucher. Et en même temps, je me suis dit, peut-être que certaines femmes qui liront ce livre se sentiront soutenues si elles n'osent pas en parler autour d'elles. Et peut-être qu'elles auront elles aussi l'envie d'aller communiquer avec d'autres, du coup,
pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. Et puis peut-être que je répondrai simplement à certaines de leurs questions, et ou ce sera simplement on peut te contacter. Un petit moment sympa. Oui. On peut te contacter par quel biais ? Sur Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook. Oui. Parce qu'il y a quand même des moments dans ton livre où tu parles de cette solitude, où tu dis que tu as fait 3 heures de route, tu t'es piqué pendant un mois, et puis tu arrives à Lyon, et puis en fait, ils ne te trouvent pas dans le registre. Et toi, c'est le moment le plus important de ta vie, et tu te dis, mais en fait, je suis quoi ? Je suis un nom sur une liste, quoi. Un numéro. Un numéro. Ouais, il y a des moments très difficiles, mais le résultat est magnifique. Ouais. Bah, c'est super. Alors, ça s'appelle Perles de culture, tu t'es auto-publié. Ouais. Donc, on peut te trouver sur Amazon. Amazon, c'est sur le Kindle, mais enfin, c'est Amazon, Perles de culture. Ça se trouve. Bon, bah super. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Annabelle. Je crois qu'Adeline, qui est derrière la caméra, l'a déjà lu. Oh, d'une traite, je crois. donc voilà. Chouette. Et ben moi, je vous retrouve dans le box de la petite ponette pour mes coups de cœur du mois. À tout de suite. Merci, Delphine, en tout cas, d'être venue nous voir. Alors, je ne sais pas si tu aimes les polars. Mais alors moi, je suis absolument fan, et notamment fan de Karine Gébel. J'ai tout lu, alors je ne dis pas que tout est bien, c'est assez inégal, mais la particularité de Karine Gébel, qui est née en 1971, qui est traduite dans le monde entier, qui a déjà été adaptée au cinéma, c'est que vous ouvrez la première page du roman et c'est juste impossible de le refermer, bien que ce soit horrible. Alors l'autre soir, ma fille me dit « Mais maman, pourquoi tu vas te coucher si tôt ?» Si je peux pas, il faut absolument que je retrouve mon roman. Et pourtant, c'est ultra dur. À chaque fois, alors moi, mon livre préféré chez elle, c'est Meurtre pour rédemption. C'était en 2006 qu'elle a sorti ce livre, qui était juste incroyable. Mais celui-ci, je l'ai trouvé vraiment très très bien aussi. Ça s'appelle Toute blesse, la dernière tue. Et c'est l'histoire de Tama, une petite Marocaine qu'on va chercher au Maroc et qui va être en fait une esclave moderne. Alors je vous lis juste un petit extrait. Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler pendant des heures si seulement j'avais quelqu'un à qui parler. Voilà, donc c'est très dur. On suit des personnages qui à la fois sont durs mais attachants. Et voilà, bon, c'est addictif. Karine Gébel, ça ne se décrit pas, c'est une expérience. Et comme aller manger chez Marc Vera, c'est une expérience. On se plonge dans un roman et c'est une expérience littéraire. Voilà. Alors après, je voulais vous parler d'une autre série que j'adore, qui est diffusée sur les écrans depuis 3 ans, je pense, qui s'appelle This Is Us, puisqu'on a parlé de famille et d'enfants tout à l'heure. C'est l'histoire de la famille Pearson, dont 4 membres de la famille sont nés le même jour. Et on va suivre cette famille pendant des décennies, leurs histoires de cœur, leurs histoires d'addiction, l'histoire, leur amour entre la fratrie, les parents, les enfants. Vous vous souvenez quand vous regardiez La petite maison dans la prairie quand on était petit ? Eh bien, c'est La petite maison dans la prairie sans être mièvre, avec un côté très attachant. Et en fait, à chaque épisode, on a des émotions qui montent. On aime les personnages malgré leurs failles et on aime tous les personnages. I'm sorry guys, I need to cut. Kevin, I know you care about the character. I do care. Voilà, c'est une série à ne pas rater. D'ailleurs, quand vous allez pianoter sur Allociné et que vous voyez, c'est plus de 5 étoiles. Tous les gens disent, moi, je mettrais bien 6 étoiles, mais ça n'existe pas. Donc, c'est une série qui a énormément de succès. C'est hyper, hyper bien joué. Enfin, bref, j'adore. Diffusée sur Netflix, Canal+, et iTunes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et puis, on se retrouve demain pour la chronique de Nicolas, la question bête du mois, et puis la chronique zen de Karine Fonbonne. À demain, bonne journée. Profite de chaque instant.